Bonjour à tous et bienvenue à vous dans l'épisode 14 de l'aventure solo de Monsieur Elvilia. Alors, on est parti. Alors, dans cet épisode, je vais essayer de faire les défis que vous m'avez proposés. Donc, on dort tout de suite. Alors, les défis, j'en ai trois pour le moment. Donc, trouver un mouton rose, tuer 10 ennemis en une journée et trouver un loup. Alors, voilà, j'ai dormi pour que ça fasse du coup la journée. Alors, là, le top chrono est parti. Je me suis fait un arc avec 64 flèches. Je voulais faire quoi? Ah ouais, je voulais prendre des os. Au cas où, donc du coup, je croiserais un loup. Et on est parti à l'aventure. Donc pour tuer les 10 ennemis, je me suis dit, bon, j'ai du diamant, je pourrais me faire une épée en diamant. Mais pour un peu plus de difficulté, je vais le faire en épée en fer. Comme ça sera un peu plus dur. Voilà. Alors, donc là, on est parti. Je vais essayer donc de trouver donc un loup. Et un mouton rose. Alors le mouton rose, à mon avis, ça sera pas gagné. Hein. Parce que les moutons roses, c'est vraiment très rare. J'en ai vu qu'une fois ou deux et c'était un serveur multijoueur. Alors je n'ai jamais vu en solo encore. Donc on va voir ça. On va voir ça ensemble. Donc là, pour tuer les 10 monstres, bien sûr, je vais dans ma mine favorite. En espérant ne pas mourir. Hein. Sinon. Alors, je regarde quand même parce que. Parce qu'il me faut un loup. Un petit loup. Alors les loups, j'en ai vu sur la partie perso, j'en ai vu une fois. Et bah vous, c'était pour un épisode d'ailleurs. Et quand j'ai voulu revenir, ils avaient disparu. Donc voilà. Voilà, voilà. Il n'y a pas de loup ici, on est d'accord. Bon. Il y a un mouton blanc. Ça fait peur quand même, hein, parce que tuer 10 mecs. Ça fait peur quand même, surtout dans une mine où on voit rien. Alors, on est parti et on est toujours en hard. Donc, on est parti pour se faire 10 mobs. Et j'entends déjà un squelette. La 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 la. Pff, mon dieu, pourquoi j'ai accepté ce défi? Allez. On est parti. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Oh, j'ai même pas pris de bouffe sur moi, donc je vais prendre la côtelette, hein. J'ai pas pris de bouffe sur moi, là là là. Bon, allez, on est un tueur, j'ai pas peur. Il y a un creeper qui pète, qui va péter. Allez, allez, ne pète pas. Oh non! Fail, il y en a un autre. Donc ça, ça compte pas comme un, hein, vu qu'il a explosé comme une merde. Bah viens là, hein, tant qu'on y est, viens là, toi. Bon bah, hein, à l'arc. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Premier map tué. Premier mob tué, voilà. Premier mob, on est parti pour la suite. Bon, allez, je torche plus parce que là, en plus, vous devez rien voir. Je suis désolé. Je torche. Apparemment, il y a des mobs là-haut, là. Ok. Faudrait peut-être que je me balade avec mon épée, moi, plutôt que. Que des torches. Alors. Par ici nous n'avons rien. Là-bas. Y'a pas de mobs dans le noir là-bas. Je vous pose une torche. Allez, cherchons des mobs, cherchons du mob. Cherchons la merde. Tac. Là-bas, y'en a un, c'est quoi? Je vois pas. C'est un zombie. Allez, viens là toi. Oh mais non, mais non, mais c'est pas vrai. Bon, allez, je vais le chercher en bas. Je vais y aller comme ça. Oh la vache. Deux mobs, deuxième mob de mort. Allez, on continue. Allez, je suis comme un con. Donc. Je vous mets une torche. Et une autre. Voilà, un cul-de-sac, génial. Comment perdre du temps? C'est génial. Ça va être très dur de faire les trois défis dans un seul épisode en 15 minutes, hein. Ça va être très très dur. Alors, est-ce que j'ai de la terre? Oui. Hop là, allez, allez. Voilà, comme ça, ça sera bouché. Je continue d'explorer là-haut. J'entends un squelette. Bon, il y a beaucoup de terre. Allez, on y va à l'exploration. On pète la terre.
Beaucoup de terre ici, hein. Content de la flotte, j'espère que je vais pas l'avoir sur le coin du nez. Allez, on monte. Ok, heureusement j'en avais une autre. Je vous mets une torche. Ouais, donc il n'y a rien derrière la terre, on est d'accord, hein, vous êtes témoins. Il n'y a jamais rien derrière la terre. Enfin, pour moi en tout cas. Parler un peu vite. Peut-être parler un peu vite. Allez, une pioche, une. Je prends mon épée. Attendez, je vous mets une torche tout de suite. Hein. C'est juste au cas où il y a quelque chose. D'accord. Allez, je prends un truc tout de suite. Il y avait un creeper derrière moi, normal. Excusez-moi si je vous ai gueulé dans l'oreille. Mais j'ai flippé dans la scène. Je suis vraiment une merde, hein. Niveau des mods, des mobs, pardon, c'est abusé. Donc bah écoutez, du coup. Oh là, j'entends des bruits. Je crois que c'est moi quand je marche en plus, je me fais peur tout seul, c'est pas possible. Alors, j'entends du bruit. Alors attendez, parce que là je flippe, donc je vais prendre de la terre que je vais mettre ici. Pas qu'ils puissent passer si jamais ils arrivent par là, parce que là j'en ai marre de mourir. Surtout que j'ai plus rien à bouffer. Allez, je vous torche ça, je vous torche le terrain. J'entends des trucs, mais je sais pas du tout d'où ça vient. Je crois que ça vient de là-bas, là. Alors, voyons voir ce qu'il y a derrière ça. Alors, attendez. Ça m'embêterait de mourir, hein. Je vous le dis tout de suite, ça m'embêterait vraiment de mourir. J'ai quoi sur moi en plus? J'ai un arc, j'ai trop plein de flèches, alors ça me ferait vraiment trop chier. Alors, hop là. Est-ce que j'y vais? Si je fais ça, je vais mourir, c'est sûr. Si je fais ça, je vais mourir, c'est sûr. Bon, attendez, je vais péter ça. Est-ce que je vais pouvoir en monter? Allez, allez, non! Allez. Bon, vous remarquerez que je prends des risques énormes pour vous, hein. Parce que là, tout seul, ça j'aurais jamais fait, hein. Parce que partir comme ça, vers l'inconnu. Ok, il y a beaucoup de gravier ici, donc vous allez me dire ouais, faut péter le gravier. Alors, on va péter le gravier. Et j'entends des bruits de pas. C'est moi qui ai mis ça là-bas? C'est bizarre. J'ai posé une cobble comme ça. Bizarre. Bon. Du gravier, allez. Bien sûr, il n'y a rien derrière. Ah! Aurais-je parlé un poil vite? Aurais-je parlé un poil vite? Je suis en sueur. Pardon, je vous parle pas beaucoup. Alors, on continue. On va monter ici. Je sens le creeper arriver derrière, tu sais, le truc. Beaucoup de gravier là, hein. On va continuer là-bas. Pouf ! Excusez-moi, j'ai flippé à mort. Ah ouais, c'était puissant celui-là. Moi aussi, j'ai un arc. Hop là, hop là, hop là. C'est pas le malin, là. Hein. Allez, troisième mob. Troisième, c'est tout ? Troisième mob, mon dieu. Les torches. C'est une immense salle. Immense salle. Ouais, j'ai plus beaucoup de cœur là. Hein. Boulet. Boulet, j'ai rien à dire de plus. Oh, je
pense qu'il va mourir, hein, mais il est tombé d'où là, là-bas. Allez. Donc 4. 5. Voilà, je récupère des flèches. Sans mourir. Donc 5 mobs. 5. Et 6. Fais chier l'autre là-bas. Hein. Une araignée en plus. Me fait vraiment chier l'autre là-bas. Je le vois pas en plus. J'ai plus de bouffe. Il est là. Je le vois, il est là. Je crois qu'il est tombé. Donc il est tombé, on va le laisser là où il est. Nous on va aller là-haut. Aïe 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 aïe. Pourquoi est-ce que je m'inflige tout ça? Pourquoi? Allez, on monte. C'est une énorme caverne. Si je meurs, je pense que je pourrai jamais revenir ici parce que je sais pas comment on fait. Je regarde 2 secondes où j'en suis du temps. Oh la vache, 2 minutes 18, j'en suis à 6 mobs, ça va être showtime. S'il vous plaît, pas de squelette, pas de squelette. Allez, des zombies, parfait. Allez, venez là. Viens là, mon gamin. Oh, 2 zombies. Ça me fait passer à 8, si j'arrive à les tuer. Allez. Plus que deux. Par où je vais, j'en sais rien du tout. Il y a 3000... pas par là, il y a de l'eau, j'aime pas. On va aller par là. Hop, je mets une torche, pardon. Ouais, sauf que là, je m'en vais vers la lave, là. Je m'en vais vers la lave, il y a du lapis-lazuli que je laisse là, je suis fou. Allez. J'entends un mec qui... marche. Allez, je suis à 2 de gagner. Et j'ai entendu un enfoiré. Oh non. Oh non, je le sens trop mal. Et j'ai plus de torches. Alors attendez 2 secondes, je reviens en arrière. Je me fais des torches, vite fait. Une araignée qui est en train de mourir toute seule. Allez, voilà. J'ai rien à manger du tout là. Putain. Parce que là je pense que je me prends une flèche et c'est cuit quoi. C'est la fin du monde. Puis j'entends des squelettes en plus. Un zombie. Oh là, il y a du monde derrière ça là. Oh Dieu. Oh, j'ai plus de temps, je suis dégoûté. J'ai plus de temps. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Moi je continue, j'essaye. Et à très bientôt. Salut tout le monde.